Bonjour YouTube, bienvenue sur cette rediffusion. Je n'ai pas encore mis l'autre d'ailleurs, mais je vais le mettre bientôt. Enfin, au moment où tu verras cette vidéo, j'aurai mis l'autre évidemment, mais voilà. Mais tu t'en fous, je le sais bien. Bon, allez, c'est parti, on y va. Alors, je sais plus comment on active. Ah, bah voilà. Je ne savais plus comment on activait la flûte, hein, c'est vous dire. Si. Je ne me souviens plus trop. Bon, on va essayer de se remettre un peu dans le vif du sujet avec Zeldo. Alors, peut-être qu'on arrivera à la fin aujourd'hui. Je dis bien peut-être, mais c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Je sais pas encore ce qu'il nous reste véritablement, s'il nous reste plein de choses à faire et tout ça. Là, j'aimerais bien récupérer, c'est le dernier cœur. Le dernier cœur, j'aimerais bien le récupérer, ce serait cool. Et par contre, ouais, au niveau des magies, j'ai pas grand-chose. Je sais pas où elles sont, les fioles de magie. Ah oui, oula, j'ai pas mis mon casque. Parce que oui, j'ai... Si c'est pour avoir le son du jeu, j'aimerais bien l'avoir aussi. Salut YouTube! C'était un peu le bordel pour le The Event. J'ai pas tout regardé malheureusement. Alors, on est bon là. Voilà. Voilà. C'est dommage, faudrait venir sur Twitch des fois à un bande de glands. Sur le stream de MV, il y a un fou furieux qui a craché 1000 boules. Ouais, j'ai vu! J'ai vu, c'était un truc de malade. Le mec était dingo. Mais c'est pour la bonne cause, c'est bien. C'est bien. Bon, alors, du coup, on a été ici. Putain, j'ai encore un problème au niveau du son. Voilà. Là. Voilà, là on est bien. Parce que j'évite que ce soit trop fort non plus, parce que sinon après, ça gueule dans mes oreilles. Puis quand j'ai des notifications de follow, de sub, de don, mon dieu, ça me gueule dans les oreilles, c'est assez horrible. Waouh! Mon dieu. Bon, alors, je crois qu'il y a un truc d'ailleurs à aller récupérer par là. On va essayer d'aller le récupérer. Ah! J'ai déjà presque plus de vie. Mon Dieu, ça commence bien. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai trouvé un passage secret alors que c'était pas voulu. D'accord. Alors, bah du coup, il me faut le jump. Allez. Ah! Un petit Link! Par contre, je sais toujours pas à quoi ça sert, ça. C'est vraiment pour moi la seule interrogation que j'ai depuis bien longtemps sur ce jeu. Je ne sais pas à quoi sert les foutus Link qu'on récupère. Parce que c'est pas le premier qu'on récupère. Donc je ne sais pas. Mais ça doit bien servir à quelque chose. Par contre, lui, comment il me... Putain, comment il me pète les... Ah! Mais il est sérieux. Bon bah, faut que je me remette de la vie. Lol. Ça commence très très bien. 1000 boules, c'est Manuel Ferrara. Les 100 000 euros en moins de 4 heures, c'est bien. C'est des vies en plus. Ah merde! Oh putain, d'accord, c'est des vies en plus. Ok, bah autant pour moi. Je suis con parce que je ne savais même pas. Ok. Ah bah c'est bien. Bah c'est bien. C'est bien, ça m'arrange. Moi je pensais que c'était juste des tokens, quoi. Les mouches qui chient du sang. C'est ça. Zelda et Godé. Goldé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Ah, le scorpion, évidemment. Ah, on a un P. Ah, putain. Ah, mon dieu, le scorpion. Ah, on va mourir. Ah! Sors ton œil! Voilà, d'accord, ça commence très bien. Ça commence très très bien. Mon dieu. Alors, on se met en shield. Parce que je pense qu'il va un petit peu nous saouler. Oh! Voilà, merci. Oh, ça pour ça. Allez, on va se remettre un peu de life. Et on se remet ça. On est bien. Oh, tout ça pour duper. Ouais, super. On a un P. Dada sur mon bidet. Je vous laisse une interview donnée pour Upper.fr, souhaitez-moi bonne chance. Bah écoute, bonne chance. Bonne chance, tu vas interviewer qui? Bon alors là, il n'y a rien au final dans cette grotte, enfin à part le paix. Le paix! Le paix! Oh non! Oh non, ça y est, ils sont revenus. Voilà, je me casse vite, vite, casse-toi. Et je crois qu'il y avait un truc pas loin ici. Ah bah il y a une deuxième grotte.
et non pas une deuxième crotte. Wow! Non, je me casse. Salut les gars! Alors, une deuxième grotte. Oui, bien. Oh là 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 là, putain. Alors, on se remet en live. Super. Il faut pas changer le titre du live, du coup, je vais encore NAC 2. Alors, j'ai changé. Mais dites-moi si j'ai pas changé, en fait. Si j'ai changé, mais que j'ai pas changé. Mais normalement, j'ai changé, hein. Voilà, merci. D'accord, c'est toujours sur NAC 2. Bah, attendez, je vais rechanger. Parce que ça, c'est quand même un truc qui est quand même super avec Twitch. C'est que parfois, tu changes, puis te mets un beau petit message d'erreur. Et tu comprends pas. Voilà. Et il te met que tu ne peux pas... Ah ouais, putain. Ah oui, d'accord, il m'a rien changé, alors que pourtant, j'ai fait le changement juste avant. Désespérant. Twitch, tu me désespères. You are desesperance. Voilà, comme les Desperate Housewives. Mais là, t'es encore plus désespérant. Parce que j'ai fait le changement tout à l'heure, puis au final... Non merci! Désolé pour ce petit contretemps, mesdames et messieurs, mais vous le savez, évidemment, si tout se passait bien, vous ne seriez pas sur... sur un live de Bibi300. Mon dieu. Allez, on finit. On va tenter de finir Zelda 2 sur NES. Voilà. Donc là, je mets évidemment Zelda 2. Voilà. Et là, il me dit code 401, authentification failed. Il se fout de ma gueule, je me suis authentifié, espèce d'imbécile. Oh, et pourquoi il veut pas? D'accord, il ne veut pas. Donc en fait, il ne veut pas m'authentifier. There was a problem editing statue. Oui, bah j'ai vu que editing statue, ça ne marche pas. Hein. Et je sais pas pourquoi il veut pas. Bon, bah écoutez, il ne veut pas. Voilà, donc... Voilà. Donc voilà, je ne peux rien faire, je ne peux pas changer parce que Twitch a décidé que je ne pouvais pas changer parce que apparemment je ne suis pas authentifié alors que bizarrement je suis authentifié, c'est dommage. Je vais peut-être passer par le tableau de bord. Ah bah là il me met, on va tenter de finir Zelda 2, bah ouais là il me l'a mis. Erreur, les informations de diffusion n'ont pas pu être mises à jour. Bon écoutez, vous savez quoi? Vous savez le mot. Vous savez le mot, je crois qu'il faut pas chercher à comprendre avec Twitch. Voilà! C'est bien, on a perdu 5 minutes, pourquoi? Pour rien. C'est pas grave. Je venais voir Knack en plus. Bah écoute, il y a une rediff qui devrait arriver, normalement, l'a fait. Donc j'espère qu'elle arrivera bientôt, mais en effet, on avait fait. Désolé pour cette répétition. On a fait un live il y a... C'était quand qu'on l'avait fait? Mercredi? Jeudi? Non, je crois que c'était jeudi. Ah, faut peut-être utiliser la flûte. Non. Il n'y a pas un truc, là? Je crois qu'il y a un truc, hein, ici. C'est pour ça que je vais rester un peu, parce qu'il me semble qu'il y a un truc. Mais il faut se mettre pas loin, je crois. On va se faire avoiner. Je suis sûr qu'il y a un truc, je suis certain. C'est pas normal qu'il y ait... De souvenir, il y a un truc ici. Et je me demande d'ailleurs si c'était pas un village. Oui, il y a un truc à faire. Mais je crois que c'est un village qui est dedans. Et je crois qu'il faut utiliser la flûte. Allez, la flûte! J'ai envie de te dire, flûte! Je suis désolé. Au moins, entre Zelda 2 et NAC 2, le chiffre est bon. On va dire ça comme ça. En effet, le chiffre est bon à ce niveau-là. Putain, je suis sûr que c'est pas loin.
Zut flûte cacaboudin, tout à fait. Où es-tu? Où es-tu? Le village, où es-tu le village? S'il te plaît, découvre-toi le village, s'il te plaît, découvre-toi le village. Ah là là, Puis le problème c'est que t'as même pas le temps de réagir, tu vois. Tu te fais tout de suite avoiner. Allez! Ah punaise, va falloir le faire Ah non, c'est ça. Non, j'ai rien dit, c'est ça. Il faut couper les mauvaises herbes. Oui, je crois que c'est ça. Ah, s'il te plaît. Eh, hey, il y a peut-être moyen que j'augmente Ah ouais, il y a peut-être moyen que j'augmente de... Bon, vous m'avez compris, de points d'expérience. Allez, s'il te plaît. Enfin, évidemment, si je ne meurs pas avant. Bon, bah c'est bien, bah on fait du caca. Hein, c'est très très bien, tout se passe comme prévu. Merci, c'est très gentil. Ça n'a pas servi à grand chose. Mais... Flûte, ça me fait penser au chevalier blanc. Allez, où es-tu? Arrêtez. Merci, toi, descends. Voilà. Allez, là, pas là. Oui, là, enfin. Ah, mon Dieu. Ah. Eden Town of Kazuto. C'est très bien, merci. Bah, il était temps. You must save Hyrule. Ouais, blablabla. Toi, qu'est-ce que tu veux? I know nothing. Bah, tu connais déjà quelque chose. We had to flee Kazuto. Oui. Toi, madame. Do you have... The 7 Magic Containers? Bah non, je les ai pas. Non, attends, t'es sérieux? Ça veut dire que si je les ai pas... Elle me laisse pas entrer. Putain, va falloir qu'on recherche ça. Ah, va falloir qu'on recherche le container. Le container de magie. Oh. I cannot help you. C'est gentil, merci beaucoup. Tu m'aides vraiment. Là, y a rien. Non, là, y a rien. Ah parfait, j'avais pas quoi mettre en fond pour jouer à Binding of Isaac. Le tweet arrive, c'est beau, mais de rien. The old man who remains as magic. Oui? Oui, bien sûr. Non mais toi, je ne veux pas. Au revoir. Toi. Oui, stop. Allez, soigne-moi. Ah oui, je me suis soigné, c'est beau. Qu'est-ce que tu vas me proposer, toi? Please, save our town. Oui, tout à fait. Blablabla. Richard Container. Oh non, vous êtes sérieux, les gars. Putain, Olex, c'est chaud quand même. Bonjour. Come back when you are ready. Ah, c'est ça, va falloir les 7 magies. 7 magies pour débloquer la... L'avant-dernière magie. Oh, putain. Va falloir chercher les containers de magie. Et je sais pas où ils sont. C'est sympa. On va bien s'amuser. Call for help at the Tree High Rocks. Alors c'est lui qui te donne en fait l'indice pour savoir que tu dois utiliser la flûte pour pouvoir débloquer le dernier donjon. Et si tu ne lis pas bien et si tu sais pas, bah tu ne sais pas. Voilà. Et combien de fois c'était compliqué à l'époque, je comprenais rien. Ah bah voilà, là il y a un truc ici. C'est pas là où il faut utiliser quelque chose? C'est pas là? C'est pas là où il y a un truc, justement, un truc qui doit apparaître? Parce que là, normalement, il y a un truc hein, qui doit apparaître ici. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois pas que c'est la fée. Je vais essayer, mais je crois pas.
Non, c'est pas ça. Et je me demande si c'est pas en lien avec la magie que je vais débloquer. Mais il y a un truc à faire ici. Il y a un truc. Il y a un truc à faire. Je ne sais plus quoi, mais il y a un truc à faire. Oui, reste, reste, reste. Reste, mon bichon. Je sais, mais on est quand même tenté de savoir ce qu'il faut, surtout que le dossier est fait pour que tu cliques à fond. Ah oui, le dossier JVC. Après, c'est toujours pareil. Ces dossiers-là, on sait que, en règle générale, voilà, c'est des dossiers qui, de toute façon, vont faire parler d'eux, parce que, bah voilà, c'est des tops. Et des tops, on va dire que chacun a son avis là-dessus. C'est normal que ça va faire parler. Bah là, déjà, il y a des gens qui n'apprécient pas que Uncharted soit 11e. Uncharted 4. Donc ça y est, ça fait des dramas et tout ça. Ouais, c'est pas normal! Ouais, c'est inadmissible! Oh! Et bien sûr, il y a lui qui est là. Hein? Ah, il y a toi qui est là, hein? N'est-ce pas? Ouais. C'est encore sur ce dossier, je m'en tape tellement la race, ce truc c'est violent. Ouais, mais je crois que tout le monde s'en fout. Après, c'est juste que, voilà, c'est par principe, ça va parler de toute façon. Parce que bah, les taupes, ça fait parler. Les taupes! Les taupes! Y a rien ici. Y a une mouche. Y a une mouche qui vole à côté de moi. Meurs dans d'atroces souffrances, s'il te plaît, mouche. Allez! Du coup, bah, je me demande si on va pas se taper le donjon, en fait, le dernier. Tant qu'à faire. Tant qu'on y est, je pense que c'est ce qu'on va se faire. Hein. J'ai vu un truc qui me plaisait pas trop. Ce village. Alors, je fais une petite pause pour couper le son. Ce village. Ce village. Si vous n'avez pas le truc qui permet de voir les choses invisibles, eh ben vous ne pouvez pas aller là-dedans. Et je me demande d'ailleurs si, et je suis en train de me poser la question, je me demande si en fait, je vais aller dans le donjon, mais il me semble qu'il y a des ennemis invisibles aussi dans le donjon, non? Parce que je commence à avoir un gros doute là-dessus. Vous savez quoi? On va aller chercher les fioles de. On va aller regarder une soluce, tant pis, hein, on s'en fout. On va aller regarder une soluce pour trouver les fioles, les containers. Parce que sinon, on va jamais y arriver. On va jamais trouver les containers de magie. Alors, les containers de magie. Parce que je sais pas du tout où ils sont. Déjà, j'en ai combien? Je sais même pas combien j'en ai. Ah, il triche! Oh là! Alors, j'en ai un, celui-là, je l'ai. J'en ai. Deux, je l'ai aussi celui-là. Alors celui-là, mon Dieu. Ah bah voilà, celui-là, je l'ai pas. Voilà. Ah ouais? Je ne l'ai pas celui-là. Voilà, je ne l'ai pas celui-là. Dans le labyrinthe. Ça vous dit rien le labyrinthe de Darunia? Ça vous dit rien ça? Bah c'est normal. C'est normal parce que je ne l'ai pas. J'ai pas été le chercher. Casse-toi. Putain, si je peux avoir les deux, ce serait parfait. Bien. Merci. Merci beaucoup. Ah, bon. Ouais. FF15 dans le top 10, ça va faire rager. Bah, je pense que, à mon avis, au-delà de ça, je pense qu'un truc qui peut faire rager, c'est par exemple. Alors, un jeu où on se dit, non, c'est pas possible, ils l'ont fait quand même. Et tu te dis, bah ouais, ils l'ont fait quand même. Bon, j'avoue que là, en tête, j'ai rien qui me vient à l'esprit. FF15, le Game of the Decennie. Avec évidemment son fabuleux jeu de pêche, hein, rappelons-le. Rappelons-le quand même, hein, son fabuleux jeu de pêche, qui restera dans les. Voilà. Cassez-vous. Au revoir, merci. Il n'y a rien ici dans le. Dans le. Là, ici, je crois qu'il n'y a rien ici. Ah, les ennemis invisibles! Ah, les ennemis invisibles, mon Dieu! Vite, cassons-nous! Cassons-nous, vite!
Oh punaise, j'y reviens plus. Ah non, 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 au revoir, au revoir. Non, non, merci. Non, les ennemis invisibles, mon dieu, c'est pas possible. Non, c'est juste pas possible. Et vous savez qu'à l'époque, quand j'avais fait le jeu, quand j'étais plus petit, j'ai pensé que c'était un bug. Je pensais que c'était vraiment un bug. Hein. Je me suis dit, bah c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait des trucs qui me touchent. Et je me disais, ouais, c'est un bug. Je peux pas avancer. Puis en fait, c'était pas du tout un bug. Et c'est vrai que sur le moment, j'avais pas fait le rapprochement. Oh. Ah, casse-toi. Salut Super Steden, bonjour à toi, comment vas-tu? Bienvenue sur Zeldo. Oh, aïe, aïe. Non, en plus, il te pompe l'expérience, les mobs invisibles de la double carotte. C'est ça. C'est ça. Merci pour le host, mon petit Réal. T'es cool, t'es gentil. Ah ouais, mais il te pompe les points d'expérience, quoi. Non, mais les mecs, jusqu'au bout, hein. Ils sont invisibles, mais en plus, ils viennent te prendre. Tu as testé Destiny 2? Non. Et je ne pense pas le tester ou quoi que ce soit d'autre. Au pire, j'attendrai peut-être la version PC pour voir, et encore, je te dis, c'est même pas certain. C'est même pas certain que je fasse quelque chose. À poil dans la forêt, il y a des petits loups. Ah oui, les fesses. Et RE4, déjà dans le classement, il est pas après Uncharted, rassurez-moi. J'ai pas regardé le classement, donc je saurais pas te dire. Alors, c'est où? C'est donc à ce niveau-là du labyrinthe. Donc à gauche. Ok. On va aller regarder ça. Salut Bibi, toujours un plaisir de t'écouter. Salut Unit. Bienvenue à toi. Écoute, eh bien... Sois le bienvenu. Et merci beaucoup, surtout. J'ai rien contre se faire pomper, mais pas comme ça, quand même. Non, mais c'est vrai que ça, c'est assez, assez saoulant. Et c'est pour ça que... Il y a ce côté-là qui est présent. Encore une mouche qui se balade. C'est vrai que ça... C'est assez punitif. En fait, le jeu, mine de rien, tu te rends compte qu'il a quand même une certaine punition. Et tu te dis, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, c'était ici. Alors, ah merde, je me souviens plus déjà. Donc, c'était par là. Je crois que c'était par là. Ah, faut que je... Bon, on verra bien. Casse-toi, toi. Allez-vous-en. Ah, va-t'en. Fais chier, mes manettes de PS3 sont mortes. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le dis, moi, je suis prêt. Je suis pas prêt de voir Zelda Breath of the Wild en top 1. Je suis pas prêt. Bah, pourquoi il sera en top 1? Moi, je pense qu'il sera dans le top 3. Parce qu'on parle de jeu, de meilleur jeu de tous les temps. Ah, voilà, c'est ici. Ah, bah voilà. Bon, c'est bon. Donc, celui-là, on l'a eu. Alors, ensuite. Ensuite, l'autre, il est ouf. Conteneur de magie dans la ville cachée de Kazuto. Bah, on y était. Ah, cela ne fonctionne que si vous possédez les 3 réceptacles précédents. LOL, bah voilà, en fait, il m'en manquait que un. Bah voilà, voilà. Il m'en manquait que un, c'était celui-là. Sinon, on les a tous! Fallait savoir qui était ici. Hein. Je vois pas un Zelda top 1, perso. Je vois pas un Zelda. Moi, je pense que ça va être vraiment un jeu qui a marqué les esprits. Mais peut-être pas forcément un Zelda. Après, j'ai envie de dire, tout est possible. Hein. Majora est-il passé? Baby, t'as les bottes pour passer sur l'eau. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai, putain. Et j'y pense jamais. Merci. Merci parce que j'oublie toujours. Pourquoi? Parce qu'Anagoon, 18 sur 20, FF15, Never Forget. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié
Détail qui a son importance. C'est vrai. 18 sur 20. Ah ah 18 sur 20, mon dieu. Je peux comprendre qu'on ait aimé le jeu, mais enfin bon, là, à ce niveau-là, c'est même plus aimé le jeu. FF15 est exceptionnel. Bah, pas vraiment, quoi. Il est pas mal. Franchement, à jouer, il est pas dégueulasse. Il est pas dégueulasse. Mais... Ouais, tu l'as vite oublié. Je l'ai vite oublié, personnellement. Il est pas dégueulasse, il est oubliable. Voilà. C'est ça, en fait, la différence. Breath of the Wild, d'ailleurs, Bibi, faut pas oublier. Oui, mais Wind Waker aussi. Et je pense qu'à mon avis, ça sera pas... Il y aura pas un lien avec la... La note, je pense. Enfin, je pense. Cette année, dans ma classe avec un pote, on se remémore les vidéos des fesses. Yeah. Mais c'était le bon temps. C'était le bon temps, ça. Donc 21, c'est très bien. Bon, bah du coup, alors, on peut repartir en bas. Alors, on va faire peut-être une petite sauvegarde. Ouah, quoique... Ouah, ça sert à rien. Allons-y. Grand mal au bien nous en fasse. Tout à fait. Avec les petits problèmes de son à ce moment-là. Cassez-vous. Casse-toi. 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 FF15 se laisse jouer et mine de rien, plaisir coupable, mais j'ai envie de voir la Pocket Edition. J'irai peut-être pas jusque-là, Olex, mais... Mais bon, après, pourquoi pas. En fait, ce qui est terrible, c'est que tu te dis la Pocket Edition, ça va être pour la version Switch. Ouais. Enfin, ça fait vraiment pitié, quoi. Tu te dis, putain, vous êtes sérieux, les gars. Je sais bien que le jeu est peut-être trop... Mais bon. C'est marqué NAC sur le live. Mais oui, mais je ne peux pas changer, j'y arrive pas. Je n'arrive point à changer. Ah. T'as juste envie de revoir Cindy. Ah, c'est ça. Petit sacripant. Petit sacripane. Oh là là, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi je suis passé par là? Pourquoi je suis passé par là? Sans déconner, pourquoi je suis passé par là? C'est une la plus mauvaise idée que j'ai pu avoir. On est passé, mais... Brille. Je te regarde tout en jouant MHS. Alors, mais... Eh, qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Je suis arrivé où? Merci le jeu, mais je suis arrivé où là? Je peux pas le tuer. Eh, je peux l'avoir comme ça? Ouais! Eh, mon cochon! Alors? Eh, mon cochon! Eh, en fait, il y a moyen. Attends. Mais il y a moyen de farmer? Mais il y a trop moyen de farmer en fait! Est-ce que moi je me prends des coups? Je me prends même pas de coups! Allez, mange! 100 points de vie! Enfin, sans expérience, 100 points d'expérience. Yeah! C'est bon ça? Alors attends. Attends, je veux juste vérifier un truc. Parce que ça m'intrigue. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il est revenu? Oh non, il est pas revenu. Oh merde. Ah, j'allais le farmer comme un gros porc, mais en fait, non, ça ne marche pas. Ah, quel dommage. je suis déçu. Ah, il ne revient pas. Ah, dommage. Ah, le jeu est bien fait. Ah, le jeu est bien fait, je dois bien le reconnaître. Hein. Ah, le jeu qui révolutionne les TPS est derrière un TPS boom et lambda, d'accord. Je suppose que tu parles de... Uncharted. Par contre, j'aimerais bien un peu de magie, s'il te plaît. Quoique, je peux peut-être m'en remettre. Yeah, je peux m'en remettre. Il cheese le jeu. Ouais, Monster Hunter Stories. Ok. Au vu des graphismes, je pensais que c'était Knack 2. Putain, Tsumish, qui évidemment troll comme un gueuda. Mais je me suis protégé! Oh, sans déconner, quoi. Alors lui, il va arriver, il est où le rouge? Voilà, un petit coup de rouge. Alors,
Alors, c'est... Putain, c'était où déjà? Non, c'était... Oh, chez moi. Laissez-moi aller dans le village, s'il vous plaît. Laissez-moi me soigner. Non, pas lui. Lui, lui. Voilà, merci. Eh ben, dis donc. C'est compliqué. Bonjour. You deserve my help. Follow me. Alors, c'est quand même fort. J'ai juste récupéré des containers de magie, puis elle me dit que... C'est bien. C'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. Il serait capable de te foutre RE Rebirth derrière RE7, c'est couillon s'il te met U4 devant RE4. There is a secret at edge of town. Ah bah donc, c'est bien ce que je pensais. Bon, il y a bien un secret dans le fond du village. D'accord, c'est juste ça en fait. Bon, c'est bien. Merci, merci, mais c'était pas obligatoire. Non, mais au moins comme ça, on a le dernier. Donc il me manque que la dernière vie. Et la dernière vie, je sais pas où elle est par contre. On va essayer de se trouver ça. Alors du coup, j'ai pas... Donc là, attends, j'ai container de magie. Donc je vais aller voir le vieux là. Alors déjà, hop, je me remets de la vie, hop, je parle à grand-mère qui va me redonner toute ma magie. Merci, au revoir. Parce que du coup, il va me donner quoi? Toi, madame. Ah non, toi, c'est la vie. Non, on s'en fout. Toi, tu sors pas. C'est ici, je crois. Non, c'est pas ici. Bah, c'était où? Il y avait pas un vieux, là? Ah non, c'était une porte ouverte. Hein, c'est une porte ouverte, autant pour moi. U4 est déjà moins bon que le 2, faut arrêter avec ce jeu, quoi. Oh, mais ça me fait tellement mal ce que tu me dis, mon dieu. Tu ne peux pas dire que U4 est moins bon que le 2. Il est tellement au-dessus... Non, je rigole. Non, mais déjà, il est tellement au-dessus du 3, le 4. Ça, par contre, oui. Metal Gear Solid 29e, Rage en paix, Bibi. Putain. Rien que pour ça, ce top, c'est de la merde. Voilà. À quand un live sur les fesses? Allez, on verra avec Chichi, si Chichi est dispo. Remember the magic world. Spell. Et je crois qu'il faut utiliser Spell... dans le fond du village. Il me semble, hein. On va aller voir. On va tester tout de suite. Parce qu'en fait, la dernière magie, c'est Thunder. Enfin, Thunder. C'est l'orage, donc, logiquement. Logiquement, c'est pas cette magie. Prochaine fesse, bug. Non. La PS4 vomit ses tripes, là, vous entendez pas. Bah, ils vous entendent pas. Alors, spell. Voilà, c'était ça. Vous savez quand même que ça, à l'époque, quand j'y ai joué, donc j'avais encore une fois ouais, 5-6 ans, je l'ai découvert juste par hasard. Évidemment, par hasard, c'est-à-dire que... au bout de 6 mois de jeu. Voilà, au bout de 6 mois de jeu, je me suis dit, bah, je vais appuyer sur tout. Donc j'ai tout utilisé, la vie, le saut, le machin, puis j'ai utilisé ça, je fais... Oh, je dis, oh mon dieu. Bah c'était ça. Voilà. Et oui, il faut le savoir. Et là, du coup, on débloque la fameuse clé qui ouvre tout. Et oui. Là, en fait, on débloque tout simplement la clé... bah, la clé qui ouvre tout, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que cette clé, comme son nom l'indique, ouvre tout. Voilà, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher les clés à droite, à gauche et tout ça. Enfin, j'ai envie de dire, maintenant, ça sert pas à grand-chose vu qu'il nous reste qu'un donjon. Mais cette clé est quand même cool. Demande à Chichi, là, il est open du cul. On apprend un sort qui s'appelle sort. Ok. Et pourtant, on lui a pas dit tu sors. Tu devines comment ça? Ben, tu peux pas vraiment le deviner. En fait, t'as un villageois qui te dit « Il y a un secret là ». Donc tu devines qu'il y a un secret là, forcément, parce que t'arrives, il n'y a rien. Donc tu sais qu'il y a un secret. Mais on te dit pas comment faire, on te dit pas comment y accéder, on te dit rien. Donc forcément,
C'est un peu au petit bonheur la chance. La clé qui ouvre tout. Oui, tout. Tout. Oui, à l'époque, sur les Solus, les jeux duraient plus longtemps. Ah bah oui, hein. Je te dis, moi, là, à l'époque, quand j'ai fait ce jeu, je l'ai jamais terminé de l'époque, hein, quand j'étais plus petit. J'ai jamais su le terminer, j'étais beaucoup trop jeune. Beaucoup trop jeune et forcément, c'était trop compliqué pour moi. Il y avait des trucs que je comprenais, il y avait d'autres trucs que je ne comprenais pas, merci. Puis malgré tout, le jeu était quand même assez compliqué, quoi. Donc ouais, c'était pas si facile que ça. Et puis après, avec le temps, j'y suis revenu un peu plus tard. Et là, j'ai réappris à bien connaître le jeu, à le refaire. Merci pour le sub. Je suis en train de me faire bourrer la gueule, hein, merci beaucoup. 3 mois. Merci ma poule, en tout cas, c'est vraiment très très gentil de ta part. Voilà, je vais essayer de gagner un max d'expérience, parce que j'ai bien envie de pas les perdre, ces points-là. Je serais bien tenté. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais un peu farmer ici pour avoir les 4000 points. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai pas envie de tout perdre. Voilà, donc 150 points. Donc là, du coup, il y a l'autre qui va se ramener. Pour toi. Voilà. Ah. Voilà, 150 points. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, au moins comme ça, on n'aura pas de problème. T'as pas pigé le double sens? Si, si. La clé qui ouvre tout. Tout. Donc c'est sûr que si on dit tout, non, elle n'ouvre pas tout. Mais presque tout. Mais oui, t'inquiète pas, j'avais bien pigé le double sens. Hein. y a pas de problème. Nickel. Bon, on n'est pas loin. Parfait. Pour l'instant, tout va bien. Tu devrais mettre un badge pour les subs. Mais je crois que je peux pas mettre les badges. Parce que j'ai l'étoile, enfin l'étoile pour celui qui sub. Mais j'ai pas... En fait, si tu veux, j'ai eu... Le truc des subs que j'ai eu, c'est celui des petits streamers, en fait. Et je peux pas mettre de badge, je peux juste mettre des... C'est con, hein, mais je peux juste mettre trois émoticônes. Donc je suis hyper limité, en fait. Mais ouais, sinon j'aurais mis un badge Bibi. J'aurais mis un badge Bibi, ça aurait été vraiment énorme. Ouais, je pèse pas assez. J'ai envie de dire, je ne pèse pas assez, sauf sur la balance. LOL. Voilà. Ne me remerciez pas, c'est... Ne me remerciez pas. Bon, allez, viens ici, toi. Go vous sub. Allez, allez, casse-toi, casse-toi. Voilà, merci beaucoup. C'est un partenaire intermédiaire, c'est ça. Voilà, c'est bien résumé, c'est bien résumé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on n'est pas loin du next. Comme ça, on va pouvoir faire l'autre donjon. Et comme on dit, vivre dans un donjon, c'est difficile. Eh ben, on va l'avoir après. On va l'avoir après, on va l'avoir ici. Un croissant, je sais pas. Ah, croissant, ouais, mais je préfère quand même le logo Bibi à la limite. Je trouve qu'il est plus... Enfin, il est plus... C'est plus visuel qu'un croissant. Mais l'idée du croissant est pas mal. Bon, on va attendre le top 1, mais JVC n'a plus de crédibilité avec ce U4. Seul Error Rebirth peut me retenir. En plus, c'est moitié prix pour le premier sub ce mois-ci. Moins 50% pour un mois. Ah ouais, je ne savais pas. Ouais, j'ai Life 8, ouais. Bon, c'est bon, alors, très bien. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va sauvegarder. Parce qu'on va sauvegarder. Voilà. Alors, on sauvegarde. Donc, j'avais dit comment, déjà? Donc, j'avais fait comme ça. Voilà, donc ça, c'est sauvegardé. Là, je le déverrouille. Donc, je recharge ça. Je refais une sauvegarde. Je fais ça, ça, et je bloque. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu fais une deuxième sauvegarde? Bon, on sait jamais, hein, parce qu'avec la NES Mini, on sait pas de quoi il en retourne. On sait pas du tout. Mais surtout, peut-être, alors je sais pas si vraiment je vais le faire. Je sais pas si vraiment je vais le faire. Mais peut-être qu'il y aurait une petite vidéo flashback qui devrait arriver.
Merci pour le beat. Une pièce pour ce jeu moche. Merci Nick pour le beat. C'est gentil. Mais ce n'est pas un jeu moche, bordel de merde. C'est un beau jeu. Donc oui, peut-être qu'il y aurait un flashback sur le jeu. Peut-être que je serais tenté de refaire un flashback dessus, parce que vous le savez, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait un flashback dessus, mais il y a de cela... Bien longtemps. Mais je serais bien tenté de le refaire. Ah oui, c'est vrai qu'il faut se mettre au milieu. Et voilà. Et évidemment, je me prends bien sûr le truc. Donc là, vous l'avez compris, il fallait se mettre au milieu, ici. Donc, entre les trois rochers, il fallait mettre la flûte pour faire apparaître le dernier donjon. Enfin, dernier donjon, attention. Dernier donjon à sceller, et ensuite, on va aller vers le vrai, le dernier, le seul et l'unique. Voilà. Une pièce pour ce jeu moche. Payé en Bitcoin. Bienvenue au club des beaters, les flashbacks de Bibi. Merci. Bon, allez, on y va. C'est parti. Dernier donjon. Le dernier donjon. Dernier donjon. Dernier donjon. Enfin, avant dernier, mais dernier finalement. J'ai du drop, c'est moi. Oui. Ben ouais, écoute, moi j'ai pas de problème de mon côté. Alors vous savez quoi, le P, je crois qu'on s'en fout là. Vu que... Ah non, vous êtes... Ah non, vous êtes pas sérieux les gars. Non mais sans déconner. Qu'est-ce que c'est horrible, ces têtes là qui volent partout, mon dieu. D'ailleurs, il y a un remix de cette musique qui a été fait. Le remix, faut que je vous mettrai le lien à la fin. Il est exceptionnel. Ils ont fait ça en fait sous un format genre en action trailer cinématique. Donc avec le côté bien, tu vois, qui monte bien, tout ça, tu sens la mise en scène épique derrière. Enfin, c'est énorme, énorme. La musique, elle est incroyable. Casse-toi! Casse-toi! Merci. Alors ça aussi. Alors ces trucs-là. Mon dieu, c'est une horreur. On prend le P ou pas? Ouah, non, ça sert à rien. Ça sert à rien, on a fait une évolution juste avant. Ah! Ah, il y a là, bah justement, il y a la charpé, lol. Ah, puis tout ça pour ça. Super. Bon, alors on va aller le chercher quand même. Allez, soyons fous. Avec un peu de chance, peut-être que j'arriverai du coup à augmenter de niveau. Salut Kamikaze. Bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue sur ce live, non pas de Knack 2, mais de Zelda. Zelda 2. Coupure de courant à The Event. Sérieux? Ah merde. Ah oh shit. Je vais me mettre en jump parce que sinon je vais jamais y arriver. Allez, va-t'en. C'est souvent ça. Va-t'en. Oui, mais pas par... Mais non, mais pas... Ouais, non, mais pas par là. Pas par là. Oui, non, enfin... Ouais, bah, par là, c'est bien. Allez, casse-toi. non, mais pas toi, mon dieu. Ah, allez. Aïe, aïe. Ah. Oh, super, pour un PA 100 en plus. Oh non. Non, mais... Je vous assure, c'est une horreur, ça. Ces trucs-là, c'est une horreur. Et donc là, vous voyez, là, vous devez vous dire... Bah donc, en fait, si on n'a pas la clé qui ouvre tout, ça, on peut pas l'ouvrir. Voilà, vous avez tout compris. Donc, vous comprenez que la clé qui ouvre tout, vous êtes obligé de l'avoir, parce que sinon, bah, ça ne marche pas. Eh oui. Eh ben, voilà. Eh oui, le jeu est fourbe. Le jeu, c'est la fourberie de ce capin. C'était... Oh non! Oh non, pas lui! Ah non! Non, pas lui! Non, pas lui! Voilà, au revoir. Merci beaucoup. T'as pas la clé. Oh! Ça y est! Nous sommes de retour avec les super... Les super chevaliers de la Légion d'honneur. Je vais déjà me remettre de la vie et je vais mettre mon jump. Parce que je ne sais pas si je peux... Oh putain ! Oui, voilà !
Je le sentais tellement venir, le truc. Ah merde, en plus... Oh, puis en plus, il se ramène ici. Ouais, c'est bien, les castos. Ah non, il y en a encore un là. Bon, celui-là, par contre, je vais le bourrer, hein. Il se protège bien. Merci. Oui, parce qu'à un moment donné, je me posais des questions quand même. Multipass, c'est ça. Multipass. Alors, ici... Oh non, non, non. Ah, putain. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas... Je peux pas les avoir comme ça. Ah, 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 ah. Ouais, je suis dans la merde, tu vois. Yeah. Sachant que, je vous rappelle qu'il ne me reste plus qu'une vie. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, je pense, pour terminer ce donjon. Et comme on dit, vivre dans un donjon, c'est difficile. Ah putain, comment ça me saouler, lui. Mais casse-toi. Oh, il est... Voilà, va-t'en. Mais... C'est horrible, hein. C'est horrible. Ces ennemis-là, ils sont horribles. Oh. Ah oui, il y a un trou. Ah oui, il y a un trou. Je m'en souviens. Et il faut vite qu'on se casse. Putain. Il y a une chance. Une chance sur je ne sais pas combien de millions pour que lui, il passe dans le trou que je viens de faire. Et il se met dedans. Du coup, toi, casse-toi. Le mec qui n'en peut plus. Tu vois. C'est le mec qui n'en peut plus. C'est casse-toi. Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Allez, va-t'en. Non ! Non, non, non. Sinon, question Bibi. Alors, attends, je ne vois pas ta question. Je vais regarder. Vas-tu abuser de la technique roumaine pour battre le boss final ou le faire à la loyale ? Alors, c'est-à-dire la technique roumaine. Je ne suis pas du tout au courant. Hein. Parce que, à part parce qu'il y a une technique... Il y a une technique pour la voir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis dans la merde, putain. Je suis pas du tout au courant de la technique, hein. J'ai envie de dire, faudra m'expliquer. Allez. Allez. C'est bien. C'est bien. Sauf que là, je suis un peu dans le brin. On va pas se mentir, hein. De vous à moi, je suis un peu dans le brin. Alors, c'est lequel de trous qu'il faut sauter? Je crois que c'est celui-là. Ou c'est... Non, c'était celui-là. On est dans le caca, je vous assure. On n'arrivera pas à finir ce donjon-là, il va falloir se refaire tout le chemin. Ah oui, la technique roumaine, faut pas rester accroupi dans un coin de l'écran ou un truc comme ça. Ouais, certainement. Ah bah merci beaucoup, vive Bibi, vive les jeux vidéo. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Donc merci, un grand merci à toi. C'est très cool. Et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Des bisous. Bon, je pense qu'à mon avis, on va pas y arriver. Hein. On risque d'avoir des quelques petits soucis de... Pour avancer. Ah, puis en plus, il y a... Ah, puis oh. Puis là, vous l'avez vu, il vient de reculer à une vitesse incompréhensible. Oui, le bip est très chiant. Voilà. Merci, Ganon. C'était sympa. Alors déjà, on va save. Déjà, voilà, on save. Donc forcément, on revient dans le menu. Je relance ma sauvegarde. Et malheureusement, on va devoir se retaper tout le chemin. Je suis désolé, mesdames et messieurs. On va se retaper tout le chemin. Oui, c'est chiant. Oui, c'est chiant. Mais c'était ça le jeu à l'époque, c'était ça, voilà, fallait se retaper tout le chemin, tout le chemin, tout le chemin. Heureusement que le niveau était quand même, ou en tout cas la map monde, ou en tout cas la world map, était quand même suffisamment bien foutue pour éviter de devoir tous retaper de manière longue, on va dire ça comme ça. Ce soir je vais au bal de chez moi, je vais essayer de pécho. Ouais. Bah, et ben, bon courage, c'est bien. Force et robustesse, comme on dit dans le milieu. De rien, bah merci, hein, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir, voilà, c'est ça, c'est clair que ça fait toujours plaisir. Va-t'en, toi. Voilà, va-t'en.
Est-ce que je re-sauvegarde? Je vais me remettre de la vie. Ouais, parce que là, vu que je suis déjà un petit peu dans le caca, un petit peu dans le caca, boudin, caca, boudin. T'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir. Et c'est pour ça que je repense évidemment à... Je repense à ce genre. En fait, le truc à savoir, c'est que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disaient à l'époque « Ouais, mais franchement, il est ultra compliqué, etc., etc., c'est difficile, et tout, et tout. » Et honnêtement, je peux le comprendre, parce que déjà à l'époque, quand t'es petit, tu vois, t'as joué à Zelda 1, qui était déjà, il faut le dire, quand même relativement costaud. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Il était déjà relativement costaud. Mais en plus, tu te dis que là, tu te manges une difficulté supplémentaire, parce que déjà le jeu prend de la difficulté, et pas qu'un peu, hein, quand même. Et puis derrière, t'as ce côté frustrant, parce que t'as des trucs que tu ne peux pas deviner. Donc forcément, sur le moment, tu fais « Ok, je pouvais pas deviner qu'il fallait faire ça, faire ça, faire ça. » Mais je dois bien reconnaître que ce jeu est vraiment... Il est hyper, hyper, hyper plaisant à jouer, et je reconnais que c'est un bonheur d'y jouer. Et pourtant, Dieu sait qu'il n'y a pas que des bons points dessus, mais... Elle est vraiment, vraiment super cool. Je l'avais aussi, j'allais jusqu'au barrage et je reset aussitôt. Je ne faisais que le début en boucle. Ouais, tu vois, voilà, c'est ça. Oh, oh, alors, je sais pas comment je suis passé, là. Je ne sais pas comment je suis passé, mais je suis passé quand même. Voilà, voilà. Alors lui, je vais passer au-dessus de lui. Oh, wow, 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 wow. Pas mal. Pas mal. Belle esquive des bouboules. La bouboule dans la bobouche. Alors, ce que je vais faire là, c'est je vais juste faire une petite coupure pour la rediff YouTube pour pas que ce soit trop long. Donc, YouTube, la suite arrive bientôt. Voilà.